Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. Yo Mina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragan et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons jouer le skin Doomslayer dans cette vidéo. Regardez-moi comme il est beau. De la licence Doom, hein, bien sûr. Hein. Et c'est ça qui est ouf, hein, parce que franchement, je suis vraiment content qu'ils aient mis cette licence. En étant gosse, j'avais joué à Doom et j'adorais. Le sac à dos, donc marque du Slayer. Donc le skin Doom Slayer, marque du Slayer. L'épée, donc l'épée creuset. Elle est vachement, vachement belle. Franchement. Regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Voilà, le planeur. Planeur démon, caco démon. Hyper beau, franchement. Hyper bien fait. J'adore. Les âmes perdues, quand on va devoir descendre, quand on a la traînée, c'est juste magnifique. Ensuite, on a aussi, oui, on a aussi pas mal de choses. Hein. On est blindé en termes de, sur le casier par rapport au réglage de Doom, parce que j'ai mis aussi, comme vous voyez, donc pas mal de choses liées à Doom. Hein. J'ai tout débloqué exprès pour cette vidéo, parce que je me suis dit ce serait bien. On a le check du mini Slayer. Ah, je suis obligé de laisser dessus, je ne peux pas enlever. Donc, regardez. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Voile du Praetor. En tant que revêtement. Très très joli. L'écran de chargement Doom Slayer. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Il est magnifique de ouf. Et comme d'habitude, je vous fais la présentation comme les autres saisons. Et on enchaîne directement ensemble une petite game pour voir ce que donne ce skin. Et bon, eh ben, on va voir. Donc, j'ai testé vite fait la map hein, pour voir ce que ça donnait. Eh ben, franchement, je suis fan du côté... alors, du côté de la map, plutôt cet endroit-là. Là, cet endroit-là, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Oh, le planeur, il est tellement beau. Oh, le planeur est tellement beau. Où on pourrait aller? Là, dans la grange? Allez, let's go. Let's go to the grange. Grange. Merde, j'ai assez. Oui, c'est bon. Par contre, c'est la merde. J'ai pas d'armes. Ah, je vais me faire buter dès le début. Oh, c'est bon, là. Je sais pas s'il est bien. Fusil à pompe, grondeur. Est-ce que c'est fort, grondeur? Je sais pas. Plein d'armes que je connais pas. Plein d'armes que je ne connais pas. Oh putain, il y a quelqu'un qui vient. Ok, bon bah toi t'es mort. Bon, si vous arrivez pas à terminer votre fight, moi je vais vous le terminer pour vous. Vous allez voir, ça va être rapidos. Toi, dégage. Toi qui me tires derrière là, dégage. Voilà. Voilà, à ton tour maintenant. À ton tour. Babouche. Derrière toi, Babouche. Ah, j'avais plus de munitions. Il aurait pu tellement me tuer mille fois. J'avais pas de munitions, j'avais rien. Allez, on boit un petit coup. La petite popo qui fait plaisir où il faut et quand il faut. Et ça, c'est super cool. Euh...
Ok. Un petit soin, histoire de se requinquer, et on est prêt pour du petit fight. J'aime pas cette arme, mais je crois qu'on peut l'utiliser sans viser, je suis plus sûr à 100%. Mais normalement si, toutes les armes on peut sans. On va l'essayer maintenant. Ah, y'a quelqu'un. Oula. Tiens, je t'ai eu. Oh putain, merde, sa bombe elle rebondit derrière, j'avais pas vu. Ah, le bâtard. Oh, une arme en or, je prends. Je me soigne, j'y vais. L'arme en or, je prends instant, frérot. Instant. Merci. Oula, une capture de zone. Ça fait quoi quand on capture la zone, les amis? Ah, il y a quelqu'un là-bas qui est pas venu en paix. Hein. Putain, c'est pas visé, heureusement, hein, j'ai de la chance. Je vais lui dire que je suis revenu en paix. Regarde, je suis venu en paix. Voilà. Laisse-moi tranquille sur mon table. Non, mais tu cherches vraiment la merde, toi. Hein. C'est abusé. Voilà, dégage, c'est bon, tu m'as. Où ça tire là-bas? Moi aussi, je suis venu en paix. Non? Ouais, mais là, le T-Bag, c'est pas pour vous chercher, les mecs. C'est que je suis venu là pour. Laissez-moi tranquille 2 secondes de capturer mon drapeau. Je sais pas ce que ça fait. Laisse-moi capturer mon putain de drapeau. Je sais pas ce que ça fait. Toi, le loup. Taras. Voilà. Laissez-moi tranquille. Je veux capturer le drapeau. Je sais pas ce que ça fait. Ça fait quoi quand on capture le drapeau? Je vais aller voir. Ok. Bon, toi, t'as pas duré longtemps, mon gars. Doigt léger. Je sais pas ce que ça fait, mais on prend. On prend. Ok. Le marteau, je prends. Je pense qu'il me sera très très utile, le marteau. On va continuer de capturer, je pense, le drapeau. Ce serait pas mal. Moi, je reste. De toute façon, je m'en fous qu'il y ait la zone. Je veux mon drapeau. Je veux voir ce que ça fait quand on capture le drapeau. Parce qu'il y a déjà un symbole. Est-ce que c'est aussi un symbole d'une personne qui avait pris le drapeau? Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas un ancien joueur qui avait pris le drapeau dans une partie en constru? Et là, peut-être qu'il y aura mon drapeau dessus. Ah putain, j'allais dire, il y a quelqu'un sur le toit. Mais j'ai pas réagi. Non. Oh putain, où il joue? Oh, il m'a bien visé dans le huc. Il va venir. Merde, il est là-haut, je suis con. Oh, il m'aurait vu au-dessus du toit, il m'aurait tellement pu me tuer. Je fais encore des erreurs, j'ai plus l'habitude. Il arrive. Je l'entends. Là. Une chance pour moi qu'il n'est pas réactif. Tiens, cadeau. J'adore cette musique. J'adore cette machin. Est-ce que ça donne du bouclier ou ça donne juste des vies, cette boisson à la con? Allez, santé. Putain, on dirait qu'on boit de la pisse. C'est bon pour la santé, hein. Skip, hein. Non, on dirait que ça donne que du... Je suis à 64 de bouclier. Ah si, ça donne quand même du bouclier, c'est bien, mais... Ça donne 20 boucliers. 20 PV ou 20 boucliers, ça se trouve, alors. Allez, vas-y, capture le drapeau. Et je viens de voir que ça a mis mon drapeau à moi. Yeah! Ok. Il y a une moto et la moto elle tire, elle est là-bas. On va utiliser l'arme que j'aime pas le plus actuellement, mais peut-être que ça changera. Ah, mais je le vois partout ce skin là, la meuf en noir et blanc là. Oh! Alors toi je te chase, c'est mort. Voilà, nickel. Ah, tu partiras pas comme ça. Oh, il y a un pompe en or. Non, j'en veux pas. M'intéresse pas. Peut-être que le pompe en or, il était ouf au final. Ça se trouve, c'était un bon pompe en or. Toi, il a pas été réactif. Il aurait pu me tirer dessus entre-temps. À moins qu'il croyait que j'étais quelqu'un qui n'allait pas tirer.
J'entends des bruits de pas depuis tout à l'heure là. Alors normalement je suis censé trouver des splashs à chaque fois que j'ouvre un truc. Ouais c'est ça. Donc là si j'ouvre le coffre j'ai une splash. Voilà c'est ça. Là il y a quelqu'un, j'entends quelqu'un sur la gauche. Ah ça a ouvert la porte, ça a ouvert la porte, ça a ouvert la porte. Oh il s'est retourné instant quand je lui ai tiré dessus. C'est possible de... C'est possible ça? Putain. Oh putain je sais pas où aller, je sais pas où aller, là là là. Cette zone j'y suis... Je l'ai jamais vu cette zone. Comme vous voyez je l'ai pas visité. J'ai visité que quelques endroits seulement. Je ne connais que dalle. On peut monter, 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 on peut monter. Peut monter, peut monter, voilà, monter comme ça, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter derrière moi aussi? Oui, il y a possibilité. Il y a possibilité que je rebouge tout, non? Ou que je mette quelque chose, non? On descend, descend, ça faillite en bas, Ok. Oh la tête d'oignon, Coucou tête d'oignon. Ah il s'est retourné. Ah il a construit. Ah tête d'oignon a construit. J'ai la flemme d'utiliser mon arme parce que certes j'ai des munitions mais elle fait pas assez mal. Enfin j'aurais pu avant mais là la brique se construit trop vite. Je vais le laisser. Je le tuerai. Il est censé encore avoir une autre personne. Elle est où? Ah elle est là. Non mais je suis derrière toi. Oh mon dieu. Comment t'as fait pour arriver aussi loin pour pas savoir que tu te fais tirer dans le dos s'il y a personne devant? T'as pas vu l'indicateur? Bah quoique moi aussi ça m'arrive de pas savoir où c'est mais... J'ai quand même une petite idée, vous voyez mais... Il est où lui la tête d'oignon? Tête d'oignon! Oh putain. Ah oui d'accord, ok ça... Ça joue un arc, d'accord, oui non mais y'a pas de soucis. Ça joue un arc. Avec plaisir. Ok. Eh ben... Vas-y, revise-moi avec ton arc si t'as les couilles. Oh putain, je déconne. Il m'a entendu ce con, il m'a entendu. Je le vois, il est au-dessus. Mais il est descendu? Attends, il est où là? L'oignon, elle a disparu. L'oignon a disparu. Retire, oignon. Ah putain, il a refait. Oh, j'ai bien fait de construire, je me serais pris une flèche dans le fion. Enfin, sur le zboob là. Il est ici, il est ici. Attends, truc infrarouge, le truc rouge là, litre rouge. Allez, 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 allez. Yes! Et ouais, le top 1, ça fait plaisir, let's go! Avec ma danse tellement swag, je bouge du fiac. Ah, ça fait plaisir le petit top 1 là. Ah, mais attends, il n'y a pas mon chat qui est à côté de moi, il faut que je le dise à mon chat. Oh merde, putain, ça lance une partie. Bon. Oh putain c'est trop bien. Eh hey, le chat. J'ai fait un putain de topo à sa mère. Je l'ai pris au mot et je l'ai tout.